Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présentes et présents avec nous ce soir pour ce Facebook Live ou cette conversation en ligne autour du Chili, de ses mouvements populaires, des alternatives démocratiques en construction au Chili et bien entendu pour une petite discussion sur la conjoncture que traverse le pays suite au plébiscite et au vote de dimanche dernier. Je m'appelle Franck Godichaud, je suis coprésident de France Amérique Latine. Notre invitation ce soir, c'est donc d'avoir une conversation autour de la situation chilienne. Et nous sommes très contents d'accueillir donc pour cette conversation tout d'abord Belén Rojas Silva, qui est sociologue, qui est membre du groupe de travail Claxo sur mémoire collective et pratique de résistance, et aussi Amandine Coulombelle, qui est à Valparaíso, qui est artiste visuelle de l'atelier Fabrica, et qui est engagée aussi auprès des sous-populaires Ollar Comunes du Cordon Siete Cerros, donc le cordon des sept collines, et d'un autre collectif militant, engagé, artistique. J'en profite pour vous rappeler que France Amérique Latine est bien entendu suit de très près la situation au Chili. Ça fait partie vraiment de notre histoire à 50 ans de la création de FAL qui s'était déjà faite autour de la question chilienne. Les derniers mois, on a pu donc animer, notamment grâce au contact d'Amandine, au travail sur place de militantes et de militants à Valparaíso, une campagne de soutien donc aux sous-populaires de Valparaíso et du Cordon de los Siete Cerros. Cette campagne est toujours en cours et donc on vous invite dès maintenant à continuer à alimenter ces donations, ce soutien. Il y en a toujours besoin, bien évidemment. On pourra y revenir, j'imagine, avec Amandine tout à l'heure. Et puis, vous invitez à aller sur le site de France Amérique Latine, franceamériquelatine.org, où il y a notamment un communiqué qui a été publié hier sur la situation chilienne et notre joie de voir peut-être la constitution de Pinochet enfin être mise à la poubelle. Donc, en guise d'introduction, quelques mots avant de donner la parole à Amandine et Belén. Effectivement, le référendum de dimanche, on peut dire que ça a été une journée historique, notamment par le résultat, et puis surtout parce que c'est le produit quand même de luttes, de mobilisation populaire depuis octobre 2019. Ce référendum sur la possible fin de la constitution autoritaire héritée de la dictature, ça a été quand même, d'une certaine manière, arraché par le mouvement social, alors qu'une grande partie de la classe politique n'en voulait pas. Et donc, la fête qui a eu place de la dignité dimanche soir, c'était aussi une fête du mouvement social, avec une très claire conscience que c'est une défaite pour le gouvernement Piñera, que c'est une défaite pour la droite et l'extrême droite, et tous ceux qui sont nostalgiques du néolibéralisme autoritaire au Chili. Alors, je pense que tous ceux qui nous écoutent ont vu les résultats, mais les rappeler très brièvement. Il y a eu plus de 78% de oui donc, à un changement de la Constitution et 79%, presque 80%, en faveur de l'option la plus progressiste, on pourrait dire, celle d'une convention constitutionnelle. C'était un vote vraiment massif, populaire. Certains regrettent qu'il n'y ait pas eu plus de participation encore, autour de 51% de participation. Mais il faut quand même rappeler qu'on est dans un contexte dur de pandémie, au cours des dernières années, l'abstention était très forte au Chili. Il y a eu quand même 500 000 votants de plus que lors du premier tour de la présidentielle de 2017. Donc, c'est quelque chose qui se passe dans le pays. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, on pourra le mettre sur le Facebook. D'ailleurs, il y a des cartes qui sont sorties, elles sont assez impressionnantes. C'est vraiment un vote de classe, très clairement un vote de classe. Les communes les plus riches ont voté majoritairement pour rejeter le changement constitutionnel, les trois communes les plus riches de Santiago. Et plus on se déplace vers les communes populaires du sud-ouest de Santiago, plus il y avait de oui à la convention constitutionnelle. Et c'est la même chose dans le reste du pays.
les zones les plus sacrifiées par le modèle néolibéral et extractiviste ont voté parfois à 90% pour le changement de la Constitution. Donc c'est assez impressionnant. Donc une défaite politique très claire du gouvernement de la droite. Après, sur les perspectives, justement, on voulait en parler avec Belen et Amandine, et puis aussi qu'elles nous disent un peu la situation au Chili, leur interprétation de ce qui se passe là-bas, parce qu'il y a quand même de nombreuses questions centrales. Évidemment, ce vote de dimanche ne règle, c'est pas que ça règle rien, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas être réglées seulement par ce vote d'hier. Il faut rappeler déjà qu'il y a en plus un ensemble de cadenas, on peut dire, de verrous qui ont été mis au processus constitutionnel qui est en train de s'ouvrir, issu du pacte de novembre 2019, d'une grande partie de la classe politique, qui fait que ce n'est pas une véritable assemblée constituante libre, souveraine. Ça, c'est déjà un élément, je pense, important. Rappelons par exemple qu'il faudrait une majorité des deux tiers pour approuver chacun des articles de la future constitution. Et de la future constituante qui va être ouverte à partir d'avril 2021. Donc, ça veut dire que potentiellement, la droite aura un verrou sur ces discussions constituantes, avec un tiers des députés constituants, elle pourra bloquer les discussions principales. Et il y a plein d'autres, comme ça, d'éléments qui ont été mis en place par le Parlement actuel pour canaliser, mettre une sorte de carcan sur les futures discussions. Par exemple, on ne pourra pas discuter des traités de libre-échange, des libre commerce. On sait aussi que les partis risquent d'avoir, les partis déjà existants, un rôle important dans le vote et le processus électoral d'avril 2021. Donc, ça pose la question de quel espace pour les mouvements sociaux, quel espace pour les indépendants dans ces élections-là. Donc, il y a plein de questions qui restent ouvertes. On n'est pas en tout cas sur cette assemblée constituante libre, plurinationale, souveraine, féministe, que continue à réclamer le mouvement populaire mobilisé. Et pour France Amérique latine, le principal, c'est de rester solidaire de ces luttes populaires qui vont continuer très certainement dans l'année qui vient, qui va être une année agitée, avec des élections municipales et régionales, la question de la constituante, la présidentielle qui arrive. Et puis, pour nous, quelque chose qui est central, c'est l'impunité, la responsabilité du gouvernement Piñera, de ses ministres, dans l'immense répression qu'il y a eu depuis octobre 2019. Il faut rappeler plus de 460 personnes qui ont été éborgnées, des abus sexuels et des viols de la part des carabiniers et de la police. Une trentaine de personnes qui ont péri dans le cadre de cette période de conflit social. La répression qui continue contre le peuple mapuche, les revendications féministes qui n'ont pas du tout été entendues. Et on pourrait continuer la liste très longue de cette manière. Donc voilà, c'est ça qui nous préoccupe. C'est aussi cette solidarité internationale avec les prisonniers politiques, qui sont plusieurs milliers issus de la révolte d'octobre 2019, mais aussi les prisonniers politiques mapuche. La question des droits humains, je sais que Belen reviendra dessus. Et puis, savoir finalement comment nous, ici, nous organiser au mieux pour continuer à être solidaires activement avec les assemblées territoriales. Le peuple mapuche, le mouvement féministe qui est très actif, le syndicalisme combatif. C'est tout ça qui nous intéresse ce soir. Et donc, nous sommes très contents de pouvoir en parler avec Belen et Amandine. Je vais tout d'abord donc donner la parole à Amandine, donc, qui est très impliquée, je l'ai dit tout à l'heure, à Valparaíso, notamment dans les ollas comunes, les soupes populaires, mais aussi dans le mouvement artistique engagé. Et donc, je laisse tout de suite la parole à Amandine. C'est à toi. Ok, bonjour, bah, bonjour à tous et puis bah, merci pour créer cet espace où on puisse visibiliser un petit peu ce qui se passe ici et puis bah, je profite pour faire un coucou à tous les copains qui nous écoutent et j'espère que je vais pouvoir éclairer un petit peu. Enfin, moi, je suis plus sur le terrain que dans l'analyse directe politique,
Mais bon, je vais un peu essayer d'expliquer comment ça se passe et ce qu'on essaye de faire, voilà, dans quoi je suis impliquée. Donc, moi, je suis photographe, artiste visuel. Et je travaille dans mon atelier, Fabrica. À part un travail personnel, il y a aussi un lien avec beaucoup d'organisations sociales différentes, en essayant d'apprendre des techniques d'impression, en essayant de discuter et de créer des contenus pour visibiliser un peu la cause. Et puis, en général, on est assez actifs sur plusieurs terrains à la fois, et en participant aussi dans la rue, dans les manifestations, avec des actions artistiques différentes. C'est un travail collectif assez conséquent, et puis ça regroupe pas mal d'actions. Enfin, ça va vraiment depuis l'impression sérigraphique au collage à aller faire des performances. Et puis là, dernièrement, Leo Yarkomunes, parce que c'est le thème de la faim est très très important en ce moment. On a commencé à travailler même à l'atelier avec les copains du quartier pour lever une Oya commune. Ce qui est un peu. Moi, j'étais surprise à la base aussi parce que c'est un quartier très aisé, très touristique, dans lequel il y a des énormes maisons et il y a des gens qui vivent vraiment avec des moyens. Mais il y a quand même de la pauvreté bien camouflée en fait. Et on s'est rendu compte que même dans notre quartier, ouais, il y avait beaucoup de personnes qui avaient vraiment besoin de soutien alimentaire. Donc l'atelier a servi de lieu pour abriter l'initiative de la Oya Commune, là où nous, on avait commencé à être impliqués avec les Siete Cerros, donc dans un quartier qui n'est pas le nôtre, mais c'est là qu'a commencé en fait l'organisation en premier. Enfin, c'est l'organisation des Oya Comunes a commencé dans ce cordon, Siete Cerros, qui est peut-être un peu précurseur de l'organisation de la Oya Comune à Valparaíso, donc actuelle, parce qu'on en reparlera après, mais c'est un processus un peu historique. Les Oya Comunes ont toujours existé au Chili depuis très très longtemps. Moi, j'habite à Valparaíso depuis 2012, donc j'ai suivi quand même de près l'évolution des mouvements sociaux et les différents combats qui ont été menés. Et on peut dire que tout est lié au même problème, qui est le système néolibéral qui a été imposé par la dictature de Pinochet, ficelé dans la constitution de Jaime Guzmán. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut parler d'un grand pas en avant. Même s'il faut voir ce qui se passe après, il va falloir être hyper vigilant, mais on peut parler d'un grand pas en avant et c'est hyper émouvant parce que toutes ces manifestations qui ont coûté la vie, l'emprisonnement et la disparition aussi d'un grand nombre de personnes, parce que c'est un combat qui est mené depuis 73 au final. Finalement, ça a quand même permis de commencer à gagner quelque chose. Voilà, comme le gouvernement n'assure pas un équilibre de vie pour ses citoyens, c'est les citoyens finalement qui s'organisent entre eux pour solutionner leurs problèmes. Donc c'est cette organisation, c'est un travail de fourmi qui permet là, à beaucoup de personnes de vivre un petit peu mieux. Pour commencer à parler de la Oya Commune, ça peut être traduit par soupe populaire, mais ce n'est pas exactement la même connotation. La olla, c'est la casserole, et commun, c'est en commun. Donc c'est vraiment, on remplit ensemble la casserole pour après partager ce qu'il y a dedans. Je vais dire olla commun et pas soupe populaire, mais je voulais lire un texte qui a été écrit par l'Assemblée des Siete Cerros pour présenter justement l'idée de la olla commun aux voisins et aux voisines quand l'organisation s'est mise en place pour distribuer les repas. Donc c'est un texte qui a été écrit en commun et qui après a été imprimé au miméographe, comme ça, sur une belle affiche qui a été distribuée en même temps que les repas à tous les voisins qui participaient pour pouvoir justement visibiliser le contexte, contextualiser l'action. Donc voilà le texte. Pourquoi la Oya Commune apparaît-elle? La Oya Commune apparaît dans les quartiers populaires toujours comme une nécessité. Il est vrai que cette initiative met en évidence la réserve de solidarité sur laquelle, comme peuple, nous pouvons compter et qui est sans limite lorsqu'il s'agit d'aider notre voisin, voisine, camarade, etc.
en définitive, notre communauté. Mais les raisons qui poussent les collines et quartiers à mettre en place ces actions ne peuvent pas être méconnues. Remplir la casserole, lutter contre la pauvreté, contre le chômage. Tous ces scénarios se sont présentés suite à la pandémie causée par ce nouveau coronavirus, mais ont été impulsés principalement par une accumulation de décisions adoptées par le gouvernement, qui, très loin de protéger les personnes, ne fait rien d'autre que de conserver les intérêts des classes sociales les plus aisées, du patronat, leurs propres intérêts. Ce sont leurs décisions qui nous laissent aujourd'hui sans travail, sans revenus, sans aliments, sans services de santé, sans rien d'autre que le besoin urgent de nous organiser et de nous charger que personne dans nos quartiers ne manque de l'essentiel ni ne souffre de la faim. Parce que face à l'indifférence et la négligence du gouvernement, le peuple répond avec solidarité et organisation. Donc après, il y avait une consigne générale qui a été reprise partout, qui est « Seul le peuple aide le peuple ». Et donc dans ce sens-là, c'est vrai qu'on prend conscience qu'on ne peut pas être en train d'attendre des solutions, il faut les appliquer d'où elles peuvent venir au final, faire avec ce qu'on a et partager ce qu'on a aussi pour que tout le monde puisse s'en sortir en même temps. Donc au Chili, historiquement, il y a eu des Ollas Comunes, dans les années 80, la crise du salpêtre a été l'occasion aussi de lever plusieurs Ollas Comunes, pendant la dictature, évidemment aussi. Et c'est vraiment des voisins et voisines qui s'organisent pour partager le repas, et c'est la base. Donc après, chaque organisation, chaque quartier, chaque Ollas Comunes est différente, parce que c'est vraiment en fonction des personnes qui y participent que tout se dessine, quoi. Donc, il y a plusieurs manières de réunir les aliments. Je vais parler un peu de l'organisation technique, de comment, dans la réalité, ça se produit, quoi. Et donc, il y a plusieurs manières de réunir les aliments. Le plus immédiat, c'est d'organiser une collecte au niveau du quartier où chacun apporte ce qu'il a. Donc, il y a aussi des missions de recyclage au marché qui peuvent être une solution pour récupérer tout ce qu'on peut pour cuisiner. Et ensuite, il y a des campagnes de solidarité. Donc, grâce à France Amérique Latine, notamment, on a quand même pu payer les factures. Il y a quand même besoin d'argent, dans le fond. On ne peut pas tout faire juste en récupérant. Donc, les campagnes de solidarité. Dans le cas du coronavirus, on a eu aussi besoin de beaucoup de matériel de protection sanitaire, donc les masques, les charlottes, les gants, ça a représenté quand même aussi un gros budget. Et dans le cas de Valparaiso, ce qui n'est pas le cas de toutes les villes, la municipalité a mis en place un système d'approvisionnement. Donc au départ, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait s'inscrire, il fallait remplir des papiers, avoir toutes les coordonnées de tous les participants pour pouvoir avoir des permis de circulation, et tout ce que ça implique au niveau sanitaire, d'avoir le droit de sortir, le droit d'aller faire les courses tout le temps. Donc la municipalité a mis en place tout un système où, au bout du compte, il y avait quand même des gros achats groupés qui permettaient de récupérer dans un hangar des caisses d'aliments. Donc les employés municipaux avait aussi cette fonction-là de créer des achats groupés et de répartir en fonction de toutes les Ollas Comunes qui étaient inscrites, ces aliments-là. Donc, chaque semaine, on peut aller chercher soit des aliments type pâtes, riz, tout ce qui ne se périme pas. Et puis, la semaine suivante, c'est les fruits et légumes. Donc, c'est quand même une grande aide, même si tout le monde n'a pas accès parce que, comme je le disais, l'inscription est un petit peu difficile, il a fallu attendre longtemps. Dans notre cas, nous, à l'atelier, on s'est inscrit au mois de juillet et juste le mois dernier, on a pu aller chercher pour la première fois des caisses d'aliments. Donc, en attendant, il y a des systèmes B. Il y a une coordination très, très, très spontanée entre toutes les initiatives. Donc, grâce aux réseaux sociaux aussi, on peut quand même s'informer très facilement de quelles sont les Ollas Comunes qui existent, quelles sont celles qui ont besoin d'aide, quelles sont celles qui peuvent aider aussi. Et souvent, les aliments sont passés d'une cuisine à l'autre. Donc, celle qui a le plus donne à celle qui a le moins. Et puis, les coopératives d'achat aussi qui sont organisées au niveau de Valparaiso ont permis de créer des paniers solidaires. Donc, là où certains achetaient les paniers,
il y avait un petit pourcentage pour donner aux autres. Donc, il y a eu une distribution pour les Oyakomun et il y a eu des distributions de paniers aussi aux familles qui en avaient le plus besoin. Et donc, il y a un fonds solidaire qui se reproduit dans différentes coopératives pour assurer une distribution aussi. Et oui, je voulais dire aussi, c'est des systèmes et des automatismes qui existaient déjà avant. Donc, en fait, ça veut dire que les personnes qui participent là maintenant ont appris aussi des expériences du passé. Donc, ça aide énormément pour que ça puisse fonctionner réellement, parce que dans le cas de vouloir mettre en place des actions, il faut inventer tout un fonctionnement au final. Donc, chaque initiative a son propre mode d'emploi, il n'y a pas de règles établies. Ça en fait aussi un exercice citoyen très important. Il faut se mettre d'accord, il faut penser à chaque décision de manière collective. Et de fil en aiguille, quand les réunions ont lieu, c'est aussi un prétexte pour commenter l'actualité. C'est les mêmes personnes qui cuisinent que celles qui se manifestent, en fait. Donc, c'est les mêmes personnes qui veulent changer la société. Donc, ça permet de dériver sur plein d'autres actions. Et quand on est en lien directement avec les voisins, en plus, on apprend, on est en contact avec d'autres problèmes que les problèmes alimentaires. Donc, on a eu affaire à plein de cas différents dans lesquels on a dû défendre des situations de racisme, des situations des gros problèmes de santé, des problèmes, des barrières à l'éducation. Parce qu'en plus, avec les classes en ligne, il y a plein d'enfants qui ne pouvaient pas se connecter parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur. Enfin, il y a plein de problèmes comme ça qu'on voit apparaître sur le terrain et auxquels il faut répondre. Ça n'a pas à voir avec la faim, avec le repas, mais il faut quand même y réfléchir. Et donc, voilà. Et puis, il y a beaucoup de Oyakomunes qui sont connectés aux assemblées territoriales aussi. Donc, c'est des instances de conversation autour des demandes sociales. Donc, on passe constamment de l'action concrète à la réflexion plus globale. Donc, c'est comme un tricot, en fait. On apprend tout le temps et il y a toujours cette sensation de rien savoir, de commencer de zéro. Et puis, une fois qu'on voit les avancées, comme la victoire du plébiscite, par exemple, on se rend compte qu'on ne se trompe pas tellement. Il y a quand même des erreurs, mais on sait quand même vers quoi on va se diriger. Donc, voilà, on avance comme ça, de fil en aiguille, un petit peu au fil des jours. Et ensuite, donc, je voulais parler de la présence des artistes au niveau de tout ce mouvement qui est très, très, très important. Le lien avec l'art, la production graphique, l'intervention dans les lieux publics, ce désir de changer les choses fait que tout le monde peut participer. Les artistes au Chili ont toujours été très présents dans la mobilisation. Et puis, c'est mon cas. Donc, il ne s'agit pas seulement d'être ou pas être artiste, au final. C'est une grande question, mais simplement de travailler dans ce sens-là. Et quand on voit les dégâts que la publicité a fait sur la société de consommation, on peut croire que la présence constante des messages et des images peut changer les mentalités. Donc, je ne parlerai pas de doctrine, mais de la communication dans le bon sens des choses. Toutes les interventions artistiques permettent d'ouvrir les yeux sur différentes réalités. Donc, que ce soit la photo, le théâtre, la performance, le cinéma, toutes les formes d'expression sont présentes finalement pour visibiliser les revendications. Et plus elles sont visibles, plus on y croit. Donc, ça alimente aussi le courage des gens qui veulent se battre contre les injustices. On a moins peur de crier plus fort, finalement. Et après le 18 octobre, donc les manifestations étaient très, 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 très nombreuses. D'abord, ça a été tous les jours. Et puis, jusqu'à l'arrivée du coronavirus, finalement, c'était à peu près chaque semaine. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de présence dans la rue. Et on a vu la créativité exploser. C'était vraiment magnifique parce que tout le monde sortait avec sa propre création, son propre courage et à montrer les messages, les revendications, quoi. Nous, à Valparaiso, on remercie de tous nos cœurs Fuego Acciones en Cemento, qui a été mis en place par un groupe d'artistes scéniques. Donc, tout ça vient du théâtre La Peste, qui est dirigé par Cathy Lopez. Et c'est un théâtre école populaire qui travaille depuis très longtemps autour du théâtre de l'opprimé et d'autres manières de créer des œuvres de manière collective, toujours en lien avec des problématiques sociales.
C'est un travail connecté au combat contre la dictature, évidemment, contre le néolibéralisme. Et lorsque l'estallido a explosé, ils ont invité différents collectifs à travailler ensemble pour réaliser des actions dans la rue. Donc le principe, c'était de couper la circulation pendant 5 minutes et avec des messages clairs, toujours en défendant le droit au bonheur, le rejet de la haine et de l'injustice, etc. Et donc, ils ont écrit un petit texte là, dernièrement pour inviter à des nouvelles actions, parce que depuis octobre, il y a eu beaucoup, beaucoup d'actions, et puis ça s'est un petit peu calmé pendant la pandémie, et là, dernièrement, les actions ont repris ce mois d'octobre, et donc ils ont apparu avec un message pour faire un appel à la participation, qui est celui-ci. En nous rebellant face à l'immobilité qui s'installe comme faux discours de protection et à travers l'exercice collaboratif soutenu par ce réseau appelé Fuego, nous convoquons à faire partie d'un manifeste collectif durant la semaine du 12 au 16 octobre à travers des créations qui puissent être réalisées ou installées dans la rue, considérant comme consigne créative la memoria del hambre, la mémoire de la faim. Nous invitons à mobiliser notre savoir-faire dans la rue, montrant le désir créatif, l'organisation émanant des volontés en installant les arts en dehors de la salle. Et donc la première action de Fuego, qui a eu lieu en octobre, l'année dernière, c'était une vieille dame qui est apparue au milieu de la rue en coupant la circulation avec une petite table, une nappe en dentelle pour prendre le thé. Donc, très fort parce que c'est vrai que la problématique des personnes âgées au Chili est assez complexe. Il y a pas, c'est des gens qui sont vraiment isolés au final de la société. Et donc, de voir cette petite mamie débarquer et prendre sa place pour couper la rue, c'était assez fort. Donc, ça a commencé comme ça. Ensuite, la même semaine est apparue la Stesis avec la performance Un violador en tu camino. Un violeur sur ton chemin. Donc là, on s'est rendu compte du pouvoir de la performance comme moyen d'expression, et non seulement au niveau local, mais au niveau mondial, parce que l'action, elle a été répétée dans toutes les villes du monde. Donc là, on a été très, très nombreuses à participer face au commissariat, à l'intendance, au lieu de pouvoir, finalement. Et ça a permis d'effacer la peur et de gagner du courage pour crier plus fort, parce que finalement, quand on fait une action dans la rue, on a toujours peur qu'il se passe quelque chose. Il y a beaucoup de répression. Et là, d'être un gros groupe, en plus, à chaque action de Fuego, on n'est pas toujours autant que pour l'action de la Stesis, mais il y a quand même toute une équipe derrière qui nous protège. Il y a des gens qui filment, il y a des gens qui sont là juste pour observer et réagir en cas de violence ou de conflit. Et donc, c'est ce qui protège aussi pour pouvoir réaliser le déroulé de l'action. Et puis il y a eu plein d'actions, des groupes de théâtre qui ont fait des interventions sur les places, des projections, il y a vraiment eu de tout. Nous, avec le collectif OPA, qui est donc un collectif qu'on a fondé à ce moment-là, finalement avec différents amis qui participent depuis longtemps à l'atelier. On a commencé par une action qui était un défilé de t-shirts imprimés. Donc, beaucoup d'artistes participaient avec leurs propres t-shirts, donc toujours avec des messages très clairs, des revendications. Et on a donc nous participé avec un t-shirt géant. Donc, c'était un t-shirt, on a pris les mesures de la rue pour créer un t-shirt qui permette de bloquer la circulation. Et donc 3 personnes à l'intérieur du t-shirt, et ce t-shirt représentait la barricade. Donc on a imprimé des flammes tout le long du t-shirt avec des messages. Sur le devant, c'était une citation de Niño de Baclé, qui est un groupe de musique, et Sépticos totales que sentidos letales, donc ça veut dire sceptique total, ressenti létal. Ça, c'est une revendication un peu de notre force pour continuer à être présent dans la rue. Et dans le dos, gobierno asesino, te estamos mirando. Et ça, ça a été un message assez fort qu'on a imprimé dans plein d'affiches, stickers et toute une panoplie de supports visuels pour montrer qu'on est tous les yeux bien ouverts sur tout ce qui se passe et on observe, on est au courant de ce qui se passe, on ne peut pas nous cacher la répression qui existe et la violence avec laquelle opère le gouvernement. Donc, voilà,
Il y a eu plein de nouvelles interventions là dernièrement. Chaque semaine, il y a des nouvelles interventions, pas seulement avec Fuego, mais avec plein d'autres groupes, pas seulement à Valparaiso, mais un peu partout. Et c'est vrai que c'est très important, je pense, que le combat soit visible là où il peut l'être. Et donc, voilà, la place des artistes. Et puis, aussi, je voulais parler un petit peu du muralisme. Il y a un grand, grand nombre de peintres muralistes au Chili qui couvrent les murs de fresques et de messages politiques. Et c'est le cas de Dani Rebeco, par exemple, qui a peint une fresque qui représente pendant l'estallido social, il a commencé à peindre cette fresque pour représenter le lèvement, le levantamiento popular, la mobilisation sociale. Et donc, avec tout un... c'est plusieurs personnages qui interagissent les uns avec les autres, donc en représentant la manifestation, la répression... et un petit peu toutes les branches du mouvement. Et cette fresque a été recouverte de peinture jaune, donc vraiment c'est de la censure. Et donc ensuite il est revenu pour repeindre par-dessus et repositionner de nouveau les personnages pour montrer qu'on est toujours présent. Et là, le mois dernier, la fresque a été recouverte de nouveau avec de la peinture noire. Donc, il est revenu pour repeindre dessus. Et donc, là est sorti le thème de la Olla Común et puis du vote pour la nouvelle constitution. Et bon, c'est une manière de ne pas laisser la censure prendre le dessus sur la création artistique et que toujours les messages soient présents, finalement, qu'ils ne puissent pas disparaître des murs, qu'ils ne puissent pas disparaître des rues. Et voilà, il y a une bonne force dans tout ça. Et beaucoup de gens qui participent. Ok, merci beaucoup Amandine pour ton témoignage. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui seront intéressantes à débattre ensemble ensuite, notamment la question des assemblées territoriales, des relations qu'elles peuvent avoir, comment elles peuvent alimenter encore les mobilisations populaires à venir, comment ça s'organise. Je laisse tout de suite la parole donc à Belén Rojas Silva, qui est sociologue et qui va notamment aborder la question des droits humains, aussi des résistances féministes et des perspectives dans ce nouveau mouvement constitutionnel. Bonjour à tous et toutes. Merci de cette invitation et merci d'adapter vos oreilles à partir de ce moment à l'accent chilien. Je pense, je vais commencer tout de suite. Je pense que dimanche dernier, nous avons collectivement ouvert une porte qui était fermée depuis de nombreuses années, à conséquence d'un contexte où se sont mêlés de façon très perverse l'injustice, l'impunité, le désespoir face à ces conquêtes d'un mouvement populaire énormément divers qui ouvre un scénario si stimulant qu'édifiant. Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui ne sont que de certaines idées, en espérant qu'elles puissent contribuer à la discussion et à l'organisation qui nous exige cette nouvelle étape. Cela dit, tirant des leçons du passé récent et de l'année dernière, j'ai essayé d'organiser ma pensée dans deux lignes principales, les droits de l'homme, et si vous me permettez, à partir de ce moment, les droits de la personne, et des mobilisations, et particulièrement celles des femmes et des féministes, en soulignant d'une part l'indivisibilité et l'interdépendance des premières, et l'importance de la relation entre mémoire et résistance pour les deuxièmes. Bon, la indivisibilité et l'interdépendance des droits de la personne sont des principes sur le fait que ces droits ne peuvent être soumis à aucune hiérarchisation. Il n'y a pas de droits plus importants que d'autres. Tous ces droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels sont partie d'un ensemble et que pour devenir une réalité, ils doivent tous être respectés et garantis simultanément. Ainsi, le respect au droit à la vie, à la liberté, à la sécurité est incompatible avec le manque des droits économiques, sociaux et culturels.
Et plus spécifiquement, si vous le pensez, nous ne pouvons pas concevoir les droits à la vie sans penser aux droits à la santé. Et nous ne pouvons pas penser aux droits à la santé sans penser aux droits à l'eau. Alors, si d'une part, sans doute, est désirable que ces principes puissent constituer un minimum de base pour penser, pour discuter, pour définir les droits et les garanties qui doivent être consacrés dans la nouvelle Constitution, et cela dans la mesure où, par exemple, les droits sociaux au cœur de la révolte, santé, éducation, sécurité sociale, travail, ont une influence déterminante dans les conditions matérielles de vie pour les personnes et qui, conjointement avec les droits civils et politiques, en attendant bien sûr un élargissement de ceux-ci, ont un impact sur les rapports de pouvoir à l'intérieur de la société. Donc, sur les possibilités de l'émancipation et sur les possibilités de la transformation sociale. Il ne faut pas jamais, jamais oublier que l'élargissement et les restrictions des droits, ainsi que leur déclaration, mais l'absence des garanties d'exercice, est loin d'être une question technique ou une discussion exclusivement juridique. Il s'agit des problèmes et des décisions politiques, obéissant aux façons de concevoir la société et les rapports parmi ses membres. À partir de ces principes et cet horizon d'indivisibilité, d'interdépendance des droits de la personne, un débat et une définition concernant, comme je dis, l'élargissement et les garanties des droits sociaux dans un scénario de violation des autres droits humains et d'impunité face à ces violations devient, à mon avis, incompatible. Et ainsi, nous sommes confrontés à un impératif éthique qui est également l'avis de la Commission interaméricaine des droits de l'homme de faire établir parallèlement à la Commission constitutionnelle une commission de vérité, de justice et de réparation pour les violations commises par les agents de l'État depuis octobre 2019. Surtout si l'on garde à l'esprit que, comme le souligne l'ensemble des rapports internationaux, il s'agit des violences visant à réprimer à tout prix une révolte qui n'est qu'à son origine dans les injustices sociales et donc pour les droits de l'homme. Même s'il s'agit des informations partielles, nous sommes face à un scénario qui, à mon avis, est catastrophique, qui est insupportable. Selon le procureur national, l'institution aujourd'hui a reçu des dénonciations de 5158 victimes de violations des droits humains, parmi lesquelles il y a 834 enfants et adolescents. Pour offrir une image sur l'évolution de la situation, le 7 novembre, 3 semaines après le début de la révolte, et avec déjà 18 morts, 2 000 blessés, et plus de 5 000 personnes arrêtées, le président du Chili, Sebastián Piñera, convoque le Conseil de sécurité nationale, régi, comme vous le savez déjà, par les articles 106 et 107 de la Constitution actuelle. Et y participent les présidents des 2 chambres du Parlement, les présidents de la Cour suprême, les commandants en chef de l'armée, de la marine, de l'aviation et les directeurs généraux de la police. La préoccupation du président à ce moment était l'altération de l'ordre public et il a clôturé la séance, demandant publiquement face à la presse de renforcer et de soutenir les forces armées. Au 31 janvier 2020, il y avait déjà 31 morts, plus de 22 000 arrestations selon les ministères publics, 3 748 blessés, dont 398 souffrant de lésions oculaires et 29 avec une perte totale ou partielle de la vision. Je tiens à souligner que les cas de Gustavo Gatica et de Fabiola Campillay se produisent les 8 et les 27 novembre respectivement, donc un jour et 20 jours après l'appel au COSENA. À la même date, le 31 janvier 2020, 4 170 victimes avaient dénoncé des policiers comme les responsables des violations subies. Mais en mars 2020, il n'y avait que 175 policiers sanctionnés de façon interne,
50 policiers inculpés au pénal, mais seulement 16 qui ont été retirés ou licenciés. Il s'agit d'une institution qui cache et qui altère les moyens de preuve, qui menace des victimes et qui tient à établir des sanctions basées sur des faits mineurs, des fautes administratives et non des crimes commis. Le gouvernement n'a jamais cessé de soutenir cette institution. De plus, non sans le soutien, sans l'aide de l'opposition politique, il a réussi à promouvoir pendant ces périodes et à faire adopter les lois anti-barricades, anti-saccage, anti-pillage, anti-cagule et le déploiement de l'armée pour protéger les infrastructures dites critiques. Et en plus, ça renforçait les pouvoirs répressifs et la violence avec l'achat des canons à eau et à gaz. Et à ce jour, il a déjà commu 437 poursuites pour saccage, persévérant dans la ligne pour laquelle il a été fortement questionné le 11 novembre par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, c'est-à-dire pour privilégier toujours le respect de la propriété sur le respect de la vie. Cependant, heureusement, la société chilienne, même si profondément blessée, n'est pas restée paralysée face aux violences des droits humains du passé, ni face à celles du présent. Un exemple clair sont des activismes des femmes et des féministes, dont je signale en particulier l'utilisation de la mémoire comme pratique de résistance et à partir de là, l'organisation intergénérationnelle. Un exemple remarquable de ce que je viens de dire, c'est l'intersection virtuose entre les collectifs Mujeres sobrevivientes, siempre resistentes, femmes survivantes, toujours résistantes, et la coordination féministe 8 mars. Le collectif, pour sa part, a été formé fin 2014 dans le but de rendre visible la violence subie par les femmes sur la dictature et notamment son caractère sexuel, ainsi que, bien sûr, l'impunité des crimes du passé. Mais elle s'implique activement dans la dénonciation de la continuité de la violence sexuelle, notamment vers les étudiants en 2006 et 2011, et aussi par des femmes, des hommes et des enfants pendant la révolte déclenchée en octobre 2019. En mars 2020, l'Institut national des droits de l'homme avait déjà reçu 200 dénonciations de violences sexuelles commises par des agents de l'État, notamment nudité forcée, des attouchements, des menaces et viols. Les chiffres sont particulièrement alarmants si l'on considère que pendant ces 9 années d'existence, l'Institut a déposé un total de 34 plaintes par violence politique sexuelle. Donc, nous sommes face aujourd'hui à une augmentation de 12 500%. La porte-parole du collectif Femmes survivantes, toujours résistantes, Béatrice Patate, est à son tour l'une des porte-parole du comité Mémoire féministe, droits de la personne, de la coordination féministe 8 mars. Après un processus de travail débuté en 2017 et à partir de l'année 2018, émerge cette coordination féministe. Il s'agit d'un espace d'articulation des différentes organisations sociales et politiques, ainsi que des sujets indépendants. Et s'il y a un diagnostic transversal dans la coordination, c'est que la réalité des femmes au Chili, pas que des femmes chiliennes, mais des femmes au Chili, est marqué pour une précarisation de la vie. De leurs efforts qui sont multiples, je voudrais souligner le projet Mes de Memorias de Rebeldías Feministas, Mois de Mémoire de Rébellion Féministe, qui rassemble des groupes survivants de la dictature, féministes, étudiants, migrants et antiracistes, et qui s'y développe au cours des mois de septembre, les mois où on commémore les coupes d'État de Pinochet, les débuts des 17 ans de dictature. L'invitation de cette mois, pendant ces mois, est à remémorer les luttes et les projets politiques assumés par des femmes diverses, et donc de mettre en avant par les mémoires, mais pas n'importe quelle mémoire, c'est-à-dire de mettre en avant pas la mémoire de la peur et de la souffrance, mais les mémoires des résistants, avec l'intérêt de tisser des liens entre les luttes du passé et du présent.
Un exemple de ceci, c'est que la première activité organisée pour septembre 2019, c'est une manifestation devant les tribunaux de justice pour demander de la justice pour Macarena Valdés, activiste mapuche tuée en 2006 après s'être opposée avec sa communauté à l'installation d'une hydroélectrique de la société RP Global dans la ville de Panguipulli, au sud du pays. Dans les manifestes de l'année dernière, les groupes réunis dans cette initiative ont déclaré, si vous me permettez, je vais lire un petit texte, ils ont dit « Pour nous, les mémoires de rébellion tissées par les femmes qui ont combattu la dictature sont toujours vivantes dans notre résistance. Ensemble, nous prenons ces tissus entre nos mains, reprenant les fils rouges de la lutte de celles qui ont résisté. Et avec ce geste, nous prenons les mains des femmes survivantes et reprenons ensemble la mémoire de toutes. Les filles, les femmes, les lesbiennes, les trans, les travestis, les féministes et les communautés qui se sont battues pour une société différente et qui s'évadent aujourd'hui autour du monde. » Je pense que l'exemple de ces collectifs et l'intersection de ces collectifs et ces actions permettraient de mettre en évidence les poids de la transmission et du dialogue intergénérationnel dans les processus de construction des mémoires et des actions collectives féministes. Cependant, il ne s'agit pas de n'importe quelle transmission ou dialogue, mais de ceux visant à troubler non seulement les silences sur ce qui était vécu, mais aussi les versions réductrices des subjectivités et des expériences militantes. Ce n'est pas moins d'effort. Il s'agit de prendre une position de victime pour dénoncer les crimes, sans asphyxier les revendications du caractère politique, des aspirations, des engagements et des trajectoires qui ont fait des survivants un cible de la répression. Et cet équilibre parfois souffre simultanément les affronts du déni de la justice, mais aussi un discours étroit de défense du droit de la personne. Donc, s'il y a des possibilités de circulation et de visibilisation des violences politiques sexuelles aujourd'hui, c'est parce que ces femmes partagent et recréent ces mémoires de façon collective, nourrissant des liens qui permettent de soutenir pour faire face à la continuité de la violence, à la continuité des horreurs, mais aussi des luttes, des résistances. Il s'agit d'un recours à la mémoire engagé à la transformation. Or, les activismes des femmes et des féministes ont traversé l'histoire du Chili. Et comme dirait Hilary Wiener, ont toujours visé à remuer et ainsi à élargir les horizons de la démocratie. On peut penser aux luttes des femmes pour obtenir des droits au vote et dont la participation en lutte contre la dictature. Parce que lors d'un affaiblissement après l'obtention du vote en 1949, les groupes féministes se sont réactivés au milieu de la dictature, et notamment au moment du cycle des manifestations de masse contre le régime depuis les années 80. D'exemples extraordinaires sont la création de la Coordinadora Democrática de Mujeres, del Movimiento de Mujeres Pobladoras, de la réorganisation del Movimiento Pro-Emancipación de la Mujer au Chili en 1983, et aussi la conformation du mouvement très célèbre aujourd'hui de Mujeres por la Vida. Bien qu'il soit impossible d'homogénéiser leur horizon et programme politique, quelque chose d'important pour comprendre leurs différents parcours dans l'avenir, plus autonome, plus institutionnel, on peut dire que celle-ci coïncide dans une position d'où il n'est pas possible de séparer la lutte pour les droits de la personne de celle pour les droits des femmes. Ainsi, la dictature était combattue pour aboutir à une démocratie dans les publics et les privés, dans les pays et à la maison. Cela résulte à son tour d'une perspective critique qui met également en question la relation des femmes avec la dictature, mais en général avec l'État et ses institutions, et aussi, bien sûr, la place des femmes dans les projets politiques et les organisations de gauche. Puis, à partir des années 2000, les femmes ont été très actives dans les mouvements étudiants de 2006 et 2011, dont les luttes pour les droits à l'avortement, contre la violence genrée et les féminicides. Plus récemment, elles se sont rassemblées dans les mouvements féministes et n'ont pas cessé d'agir. Le 8 mars est devenu une journée de manifestations massives
pour dénoncer les différentes inégalités, les injustices et les violences sociales et économiques liées au genre et à la sexualité. Depuis le 18 octobre, elles font partie de la première ligne de chaque cortège de manifestation, de chaque occupation de l'espace public. Comme l'a dit Amandine, sa participation est aussi remarquable parce qu'en plus, on a l'initiative de nouvelles façons créatives d'expression politique, comme la performance iconique en violeur sur ton chemin du collectif La Stésis. Et bon, madame, monsieur, qui nous écoute, qui nous entendent, ce sont les combats et les résistants des femmes, ceux de vos grand-mères, vos mères, sœurs, filles. Du début du XXe siècle à nos jours, il nous serait impossible aujourd'hui de projeter pour avril 2021 les débuts de la première commission constitutionnelle paritaire du monde entier. Pour finir, en guise de conclusion, je pense que si nous arrivons à une commission de vérité, en tirant des leçons des commissions précédentes, pas seulement que cette commission chilienne, mais aussi de différents pays du monde, et aussi nous arrivons à tirer des leçons des alertes provenant des spécialistes et des collectifs féministes et dissidents, il ne peut que s'agir d'un espace publicité, ouverte, décentralisée, sûre pour les femmes, les personnes LGBTIQ, les migrants et les peuples originaires, qui assument une perspective de genre capable de rendre compte de la spécificité de certaines violences, de ses objectifs et ses conséquences, donc capable de comprendre que quand les femmes et les dissidents sexuels deviennent des ennemis internes, les femmes par les caractères subversifs de ces orientations et actions politiques, mais aussi de leur désobéissance concernant des mandats et des rôles genrés. Les témoignages des détenus et des torturés pendant la dictature l'ont rendu très clair. Pour les agents de l'État, elles n'étaient pas seulement des marxistes, des terroristes, elles étaient des mauvaises filles, des mauvaises mères et des prostituées. Ainsi, pour la violence politique sexuelle à partir d'octobre 2019 et toutes les violations de nos droits humains, nous devons réclamer une commission qui assume les caractères politiques des violences et de ses victimes, c'est-à-dire qu'elle soit capable de reconnaître et de rendre visible que ce qui se passe et s'est passé et que se passe, c'est des agents de l'État instruits et disponibles pour punir tous ceux et celles qui se sont battus et se battent pour un pays plus juste et digne pour tous et toutes. Et enfin, si d'une part, il faut s'attendre à que la société reste active, mobilisée, organisée, vigilante face aux travaux de la Commission constitutionnelle, par rapport au début de celle-ci, nous avons encore des questions non résolues, comme la représentation des peuples originaires et des indépendants. Puis, une fois démarrés les travaux, c'est dès la commission elle-même qui mènera la procédure de la participation citoyenne. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Que nous avons ouvert cette porte par la participation, c'est-à-dire par la mobilisation, et après, par la possibilité de choisir entre changer la constitution ou pas, et de définir par quel type de commission. Que plus tard, on s'attend que les membres élus de la commission constitutionnelle soient en mesure de représenter la diversité de la société au Chili. Et pour cela, nous avons besoin de mécanismes clairs et équitables. Mais quel règlement de la Convention définira à quel point son travail sera ouvert ou fermé? C'est qu'il y aura des audiences publiques qui pourront participer. Les audiences seront diffusées par la télévision, sur les réseaux sociaux, les séances ne seront qu'à Santiago, la Commission va se déplacer dans les différentes régions du pays. Et il sera ou ne sera pas possible de faire des propositions, des sujets à discuter au sein de la commission. Tout cela doit être réglé dans les premiers mois de fonctionnement et sans aucun doute pour parvenir à une réelle participation et aussi une légitimité du processus. Il faut que l'ensemble de la société soit informée et mobilisée. Et pour cela, encore une fois, nous avons besoin des conditions de sécurité, ce qui n'est plus guère être réalisé sans vérité et justice sur la violence politique des agents de l'État, qui lui servent des fonds et qui, une fois pour toutes, nous permet d'assumer en tant que principe
mais des garanties dans la pratique transformées finalement dans son réalité sans nos répétitions. Merci beaucoup. Merci Bélène pour ton intervention. On a quelques questions justement qui sont centrées sur les suites hein, du référendum, la mise en place de la constituante ou de la convention constitutionnelle. D'ailleurs, les dénominations ont un poids important et politique. Hein, pourquoi la droite chilienne a absolument refusé de parler d'assemblée constituante, justement parce qu'elle voulait une convention constitutionnelle qu'elle puisse garder sous son contrôle. Et c'est ça un peu, à mon avis, le défi qui vient, c'est à quel point, comme tu le disais, Bélène, le mouvement populaire, les indépendants, entre guillemets, c'est-à-dire les acteurs sociaux, vont pouvoir être décisifs dans l'intervention, dans la capacité de faire pression pour faire sauter au moins en partie les carcans qu'on essayait de mettre à l'avance sur cette future convention constitutionnelle. Et donc, ça pose aussi la question, comment maintenir l'unité du mouvement populaire, son dynamisme, son carburant, en fait, parce que évidemment on ne peut pas être mobilisé en permanence pendant des mois et des années. Donc, c'est une question, à mon avis, importante. Alors, sur les questions qu'on a reçues, il y avait Loline, notamment, qui demandait tout à l'heure comment ça allait se passer concrètement, ces élections des constituants, si aussi les Chiliens de l'étranger pourront voter ou pas. Il me semble que oui, il me semble avoir compris que oui. Ce serait peut-être bien de revenir sur comment ça va se passer, ce qu'on sait en tout cas pour l'instant, parce qu'il y a plusieurs choses qui ne sont, sont pas réglées. Et dans le même sens, Pablo demande est-ce que ce référendum va réellement accoucher d'une constitution sociale et citoyenne? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les forces politiques en présence et quel pourrait y compris être l'impact de ce processus constitutionnel sur le reste de la région, notamment sur les pays voisins comme la Bolivie. Amandine, si tu veux dire quelques mots, et ensuite Bélène. Je crois que les Chiliens de l'étranger peuvent participer à la votation, mais je suis pas sûre. Il me semble que comme s'ils ont pu participer là au référendum, normalement, ils sont inclus aussi dans le reste du processus, j'espère. Et Bélène, tu... Pardon, désolée. Et quand les Chiliens à l'étranger ont obtenu les droits de vote, ils ont obtenu les droits que pour les élections de caractère national. Dans les conditions actuelles, cela nous empêche de participer à l'élection des constituants parce que c'est une élection par district. Donc, là, le chemin, ça serait d'établir que les Chiliens à l'étranger constituent un district par eux-mêmes. Pour l'instant, si j'ai bien compris, c'est en discussion. Apparemment, c'est la loi district 29 que seraient les Chiliens à l'étranger, mais n'était pas encore approuvé. Donc, on croise les doigts, parce que vraiment, on a vu la journée du dimanche dernier, c'était vraiment très, très important, et presque la moitié de la journée, tout ce que la TV pourrait montrer, c'était la participation des Chiliens à l'étranger, et en plus, c'est important. Je pense, si j'ai bien compris, que par exemple, dans l'élection entre Lagos et Lavín, la différence, c'était presque la moitié de vos Chiliens à l'étranger aujourd'hui. Donc, ça peut vraiment basculer les choses. Amandine, si tu veux reprendre, et ensuite on redonne la parole à Bélène, sur comment toi tu vois la situation et la perspective qui s'ouvre. Bah ici, oui, en général, on pense que c'est une petite victoire, c'est un petit pas en avant, mais ça ne veut pas dire que tout est gagné. Il va vraiment falloir être très vigilant à chaque étape de ce travail pour être attentif et s'il faut reprendre les manifestations et exiger que le processus soit plus ou moins en accord avec les demandes. Mais c'est vrai que ça paraît un peu compliqué
D'abord parce que, par exemple, les candidats indépendants ne peuvent pas se présenter pour faire partie de l'Assemblée constituante et que, au final, le mouvement est né depuis l'indépendance. Ce n'est pas un mouvement qui a été créé par des partis. C'est pas les partis. Enfin, je pense que les gens qui participent vraiment au mouvement populaire en ce moment ne sont pas vraiment des personnes qui appartiennent à des partis politiques. Et c'est là que on peut se questionner un petit peu pourquoi est-ce qu'il faut faire partie d'un parti politique pour pouvoir se présenter comme candidat à l'Assemblée constituante, par exemple. Bon, il va falloir être très attentif à tout ça. Après, c'est vrai que si les personnes qui sont élues pour faire partie de l'Assemblée constituante le font dans une démarche de changer les choses, et il devrait pouvoir s'établir un dialogue entre ces personnes-là et les mouvements sociaux. Donc, c'est là que ça peut être intéressant de travailler ensemble sur toutes ces questions. Et bon, j'espère qu'il y aura une participation de la citoyenneté durant le processus. Après, avant de redonner la parole à Belen, on peut aussi rappeler qu'il y a des discussions en cours. Certains partis, par exemple la gauche, annoncent qu'ils vont laisser des espaces vacants dans leur liste pour intégrer des représentants des mouvements sociaux. Mais en soi, ce n'est pas forcément très satisfaisant. Et ça pose quand même la question très claire jusqu'à quel point ceux qui sont finalement à l'origine de cette ouverture constitutionnelle, c'est-à-dire le mouvement populaire organisé, vont pouvoir réellement être représenté dans ce moment constitutionnel. Bah, d'ailleurs, à l'origine de ce mouvement, c'est des étudiants qui n'ont pas eu le droit de vote non plus. Donc, au final, voilà, c'est quand même toute une partie des participants de ce mouvement qui sont complètement mis à l'écart du processus déjà. Et oui, parce qu'ils sont mineurs notamment. Ouais, moins de 18 ans, on ne peut pas voter. Donc, voilà. Et après, même si les partis de gauche disent qu'il y aura des espaces vacants pour faire participer des candidats indépendants, ou des personnes issues des mouvements sociaux, ça reste des stratégies plus ou moins inofficielles. Donc, ça veut dire que ce qui est proposé n'est pas vraiment en accord avec ce qui a été demandé. Donc, on est hyper conscient quand même de, voilà, c'est un pas en avant, mais tout reste à définir. Donc, on ne peut pas encore crier victoire. Là, il va falloir voir ce qui se passe ensuite, quoi. Mais c'est quand même Belen, un ah signe pardon. d'espérance, de toute façon. Oui. Non, Belen, toi, sur les perspectives. je suis d'accord avec vous, même si je suis convaincue qu'il fallait ouvrir ces portes. Je pense que rien n'est assuré et que la partie plus difficile, ça commence maintenant. Je pense que d'une façon, on pourrait dire qu'on a la force et la légitimité pour pousser les choses. Il y avait déjà des personnes qui disaient lundi, hier, c'était aujourd'hui, c'est impossible de pas penser à établir une façon de participation pour les indépendants, pour les mouvements sociaux. Par contre, bon, la représentation, c'est toujours pas une dynamique. Bien sûr, rien, tout. Mais je pense qu'il faut agir vite. L'inscription, ça va se passer en janvier. Donc, ça reste 2 mois. Et 2 mois difficiles, c'est la fin d'année en plus. Donc, on a aussi les problèmes du Covid qui ne s'arrêtent pas. Donc, je pense qu'on attend une réaction clair de la part de mouvements sociaux aussi, parce qu'il n'y a pas de déclaration, même des coordinations, par exemple, des comités qui se sont constitués à la chaleur de ces processus. On n'a pas vu des exigences très claires, et c'est sûr qu'il faut réagir vite, parce que ça commence en avril. On est contre-temps. Ce qu'on peut rappeler aussi, et pour rebondir sur ce que tu dis, Bélène, c'est qu'effectivement, rappeler que le Chili est dans un contexte de pandémie très très grave. Hein. C'est en rapport de nombre d'infectés de morts par million de personnes.
ça serait le sixième pays au monde le plus infecté, donc c'est extrêmement grave. Et puis aussi l'impact de la crise économique, une crise économique qui a commencé avant la pandémie, mais qui a effectivement été approfondie très très fortement. Les perspectives là aussi sont, ben, ça serait la plus grande crise économique depuis la fin de la dictature, donc ça doit peser sur le contexte très très fortement. Oui. On a fait un calcul à l'arrache, bien sûr, mais un calcul qui est 30 000 morts en France, c'est l'équivalent de 7 000 morts au Chili. Et on est presque en 17 000, 18 000 morts au Chili. Donc, ouais, ça serait comme 70 000 morts en France. Mais oui. Je ne sais pas si Amandine, par exemple, au niveau de Valparaíso, dans les ollas comunes ou les assemblées territoriales, cette question du contexte Covid, crise économique et capacité de continuer à se mobiliser. Bah, c'est pas facile, hein, parce que déjà, toute la mobilisation a eu lieu vraiment avec beaucoup de barrières, parce que était compliqué au niveau des permis, au niveau tout était très compliqué, et puis les contagions sont montées très vite en fait, donc on s'est rendu compte, enfin il y a eu un moment par exemple, vraiment pour parler en concret, le cordon Siete Cerros a vu la moitié de ses volontaires infectés de Covid, donc à un moment donné il n'y avait plus personne pour lever les activités, et ça a été très très difficile, il a fallu faire un appel à volontaires, et puis c'était très difficile, même si on respectait les protocoles, même s'il y a eu beaucoup beaucoup d'efforts de fait pour stopper les contagions, ça a été un peu incontrôlable et inévitable. Et il y a eu un moment de peur, panique générale, où voilà, enfin même ceux qui n'étaient pas encore contaminés hésitaient un petit peu à participer parce que il y avait des risques. Après, en général, c'est des personnes jeunes et dynamiques et des personnes un peu plus fortes qui n'avaient pas vraiment peur d'être contaminées, qui ont continué à participer, mais ça a été très compliqué. Et puis, au niveau des quartiers, il y a eu des gens hospitalisés, même au sein des ollas comunes qui ont été hospitalisés. Heureusement, il n'y a pas eu beaucoup de morts proches de nous, mais quelques-uns quand même, quoi. Donc, entre l'organisation, et puis on finit par connaître les gens, donc forcément, c'est triste. Et il y a eu notamment un cas, mais la mort n'a pas été relationnée avec le coronavirus, mais d'une femme haïtienne qui est décédée parce qu'elle n'a pas pu être reçue à l'hôpital Van Buren. Elle était malade, elle se sentait pas bien, elle savait pas trop ce qui lui arrivait, mais elle est allée à l'hôpital et ils n'ont pas voulu la recevoir, ils n'ont pas voulu l'hospitaliser, et elle est décédée le lendemain matin. On ne sait pas pourquoi, parce que les cas de la mort n'ont pas encore été définis. Il n'y a pas encore eu de rapport. Ça s'est passé au mois de juillet, mais c'est tout un combat pour essayer de savoir ce qui s'est vraiment passé, et puis de mettre en cause aussi l'assistance santé de l'hôpital, la responsabilité de l'hôpital de prendre en charge les personnes qui arrivent là-bas. Bon, c'est assez compliqué. Mais c'est vrai que dans ce contexte-là, où beaucoup de gens hésitent à sortir, de pouvoir distribuer des repas, c'est tout un combat aussi. Et puis, il fallait aller à domicile de chaque personne. Donc, dans le cas des Siete Cerros, c'était très compliqué parce que les distances sont grandes. Donc, il fallait avoir des véhicules. Il y a très peu de gens qui ont des voitures pour pouvoir transporter tout ça dans des boîtes, pas que ça déborde. Enfin, la logistique a été assez compliquée. Et la majorité des gens qui recevaient les repas, c'était des personnes âgées ou des enfants. Donc, on ne pouvait pas exiger que les gens viennent, sortent avec un permis ou sans permis pour venir chercher leur repas. Il fallait que tout soit distribué à domicile. Donc, c'est vrai qu'il a fallu trouver beaucoup de solutions pour pouvoir continuer, quoi. Et là, en ce moment, le nombre de personnes inscrites au Ollas Comunes a globalement diminué. Parce qu'on vient de sortir de la quarantaine, enfin on est passé en phase 2 il y a 2 semaines.
Donc, toute la semaine, on est hors de quarantaine, on n'est en quarantaine que le week-end. Donc, les gens maintenant peuvent se déplacer. Il y a quelques personnes, celles qui ne sont pas des personnes à risque, qui vont chercher leur repas directement. Donc, ça allège un petit peu le travail de distribution. Et puis, il y a pas mal de gens qui ont pu reprendre le travail, même si c'est des travails très instables, en général, de la vente ambulante. Voilà, faut quand même être exposé dans la rue. Des modes de vie très précaires. Amandine, et les recours à la OIA commune a changé à partir de la possibilité de faire usage aux 10% de fonds de pension? Il y a eu une baisse quand les gens ont pu retirer le 10% de la FEP, mais Rappelez ce pas. que c'est la FEP. La FEP, c'est le système de retraite. Ici au Chili, où les gens cotisent toute leur vie pour ensuite avoir la possibilité d'une retraite. Mais c'est un système de fonds privés très très lucratif. Et donc, bon, il y a eu toute une mobilisation pour avoir la possibilité de retirer 10% de la caisse AFP personnelle, parce que c'est chaque personne qui cotise va ensuite recevoir sa propre cotisation finalement. Donc, c'est pas un Oui, système solidaire. c'est pas solidaire. Non, ce n'est pas un système solidaire. Donc, bon, il y a beaucoup de personnes qui ont pu retirer leurs 10%. Mais pour avoir accès aux 10% de l'AFP, il faut avoir cotisé. Donc, toutes les personnes qui ont travaillé sans contrat, qui sont des travailleurs indépendants, n'ont pas eu accès à l'AFP. Et c'est là aussi, oui, on peut préciser un petit peu quelle a été la forme d'aide du gouvernement. C'était, enfin, c'est très, très, très insuffisant. Enfin, par exemple, il y a eu un système d'inscription au registre social des foyers. Donc, il y a énormément de gens qui ne s'étaient jamais inscrits parce que de toute façon, obtenir des aides sociales, c'est des concours. Donc, il faut remplir des conditions déplorables pour pouvoir avoir accès à une aide sociale. Il y a une quantité de gens qui postulent, on donne aux 10 premiers de la liste, en gros, et puis c'est très, très injuste. Et donc, toutes les personnes se sont inscrites au registre social des foyers cette fois-ci pour pouvoir bénéficier des aides sociales qui étaient, en gros, un revenu d'urgence qui représentait 170 000 pesos, ça fait à peu près 200 euros. Par mois pendant 3 mois, mais il y a des familles qui n'ont reçu que 35 000, par exemple. Parce que dans les réponses, on vous dit ben, selon votre dossier, la somme qui correspond à l'aide que vous devez recevoir est de 35 000. Mais il n'y a pas de justification à ça. Enfin, avec 35 000 pesos, tu ne peux pas nourrir 4 gamins, c'est pas possible. Donc, c'est très, très, très insuffisant. Et pour ma part, par exemple, qui suis travailleur indépendant, j'ai pu bénéficier d'une aide des impôts qui m'ont donné 500 000 pesos une fois. Et j'ai eu la chance de gagner une subvention pour payer mon loyer qui vient juste d'arriver là maintenant. Donc, c'est à partir de ce mois-ci, pendant 3 mois, je vais recevoir une aide pour financer mon loyer, le loyer de l'atelier. Qui représentent, ils vont payer la moitié du loyer en gros. C'est tout quoi, c'est tout. Donc à part ça, il y a énormément de gens qui sans la olla comune ne pouvaient pas manger quoi. Et toutes ces initiatives de canastas, de distribuer depuis la coopérative, les fonds solidaires qui permettent de distribuer les paniers alimentaires aux familles du quartier qui en ont besoin, c'est des initiatives qui vraiment ont allégé le poids. Parce que quand tu n'as jamais travaillé officiellement, que tu ne peux pas sortir dans la rue pour vendre, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent de la vente ambulante. Il n'y a pas de solution, quoi. Voilà. Donc, ça a été très, très, très difficile pour beaucoup de gens. Ça l'est encore. Là, à peine sorti de quarantaine, parce que bon, on a quand même le week-end est immobilisé. Tout le monde est dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui ont repris leur travail inofficiel et donc les rues se remplissent. C'est un peu risqué au niveau des contagions parce que toutes les mesures de sécurité ne sont pas respectées. Ça fait un peu peur, mais on espère qu'il n'y aura pas de remontée des contagions, quoi.
Effectivement, en plus, c'est vrai qu'on peut rappeler que au Chili, comme de le reste de l'Amérique latine, même dans certains pays, c'est encore plus important, en Amérique centrale, par exemple, avec la proportion de travailleurs informels, ceux qui n'ont pas accès au système de protection. La pandémie, ça a été catastrophique pour toute cette population-là. C'est pour les migrants, surtout pour les migrants aussi, hein. Oui. La population migrante, notamment d'Haïtiens, ça représente une grande partie de la population et y a aucune aide mise en place pour ces gens-là. Et au contraire, en plus, on les met dans des. Enfin, ils sont complètement invisibles et il n'y a pas d'aide pour eux, quoi. Il y a peut-être que ça pourrait nous servir pour vous laisser la parole en guise de conclusion, puisqu'il va bientôt être 7h, 19h30 ici en France. Pablo, justement, qui lui écrit depuis le Brésil, revenait sur ce processus constitutionnel qui s'ouvre en disant bon, si la Constitution voit le jour et si elle sert réellement les intérêts du peuple chilien, ce sera une déroute des élites néolibérales du continent. En rappelant, par exemple, que le ministre brésilien de l'économie, Paulo Guedes, a à plusieurs reprises pris comme exemple le Chili néolibéral, comme exemple à suivre, hein, le fameux mythe du jaguar chilien. Donc, peut-être si vous pouvez revenir, vous, un peu en guise de conclusion, chacune, sur comment vous voyez un peu les perspectives de. Est-ce que cette constitution, justement, pourrait servir réellement les intérêts du peuple chilien, si on ne peut pas le dire à l'avance, mais quels seraient, selon vous, les thèmes clés de la période qui vient, du point de vue bah, des mouvements sociaux, de la solidarité, aussi comment construire nos solidarités des deux côtés de l'Atlantique, ou peut-être le sujet qui serait pour vous le plus important à suivre dans la période. Bélène, peut-être? Bon, moi, je répète ce que j'ai dit avant. Donc, j'attends un processus et un résultat, un texte qui soit capable de consacrer ces principes d'interdépendance des droits de l'homme. Ça, je pense que c'est un horizon qui peut vraiment faire un changement. Et je ne sais pas si vous avez lu, il y a texte de Jaime Baza, de l'avocat constitutionnaliste. Je pense qu'il explique vraiment très bien les choses quand il dit que, pour par exemple, la manque de protection au droit à l'éducation et au droit au travail, qui est aujourd'hui dans la Constitution actuelle, sur les droits à la liberté d'entreprise, ou par exemple, la protection d'une fausse liberté de choisir entre les systèmes de santé publique ou privée, entre les systèmes éducationnels publics ou privés, ont en conséquence indéfectible des déséquilibres dans les relations de pouvoir entre les sujets. Donc, il indique très bien comment ça contribue à la concentration du capital, non seulement économique, mais aussi culturel et sociale, et par conséquent à la perpétuation des rapports de subordination. Donc, je pense vraiment que la possibilité des garanties des droits qui ne sont pas encore garantis et de hiérarchiser les droits de l'homme sur d'autres droits, par exemple les droits à la propriété, et ça peut vraiment changer les choses. Mais il faut que ce soit plus qu'une déclaration, bien sûr. Il faut que ce soit garanti. Je pense que tu as bien dit avant qu'il y a cette frontière qu'on ne peut pas traverser dans les changements, par exemple. Bien sûr qu'ils sont établis comme frontière, que le Chili est une république démocratique, donc c'est que de la commission constituante ne peut pas émerger un texte qui dit que nous sommes une monarchie. Bien sûr. Et en plus, tu as parlé des traités commerciaux et des livres commerce. Mais il y a aussi les traités, les accords des droits de l'homme qu'on ne peut pas toucher et qu'il faut transformer dans une réalité, il faut transformer dans un guide d'action, un guide de limitation. Et pour moi, ça c'est un espoir. Je m'attends à ça.
Vraiment. Et je m'attends aussi que toute la population, que toute la société au Chili s'attache aux droits de l'homme. Vraiment. Et surtout dans la mesure que les pouvoirs politiques, les gouvernements ont fait un grand effort pour relativiser ce qui est les droits de l'homme en disant il faut construire, ou il faut intégrer dans l'Institut national des droits de l'homme les droits des policiers. Tout. Donc ils relativisent et ils tentent de confondre la société sur ce qui signifie les droits de l'homme. Et j'espère vraiment une mobilisation qui. Autour de ça et qu'ils soient capables d'intégrer ce type de principes dans les textes constitutionnels. Moi, je pense que toutes les demandes sont transversales, en fait, pas seulement au Chili, mais même à l'international, parce que c'est tout un système. On se reconnaît très bien dans la lutte aussi du peuple nord-américain, ou même en France, il y a des problématiques qui sont très similaires, et finalement, c'est des débats qui sont pas présents seulement au Chili. Donc, ça va forcément pouvoir inspirer ailleurs, et j'espère que tirer des conclusions un peu plus générales aussi sur un système un peu plus sain pour pouvoir vivre ensemble, même si y a toujours des différences, il y a toujours des grands fossés parfois entre les envies des uns et les envies des autres, mais c'est vrai qu'on est quand même dans un pays où de temps en temps on est confronté au négationnisme des violations aux droits de l'homme. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont pas capables de reconnaître que sous la dictature il y a eu des personnes assassinées, torturées, disparues. Il y a un négationnisme vraiment impressionnant. Donc même dans les discours en général, même c'est courant que dans les discours politiques ou à la télévision, on entend des gens défendre la dictature de Pinochet. Et quand on voit le combat qui a été mené en Europe contre le nazisme, c'est un petit peu la même chose. Il faudrait pouvoir condamner ce genre de discours et reconnaître l'importance du droit à la vie en premier, quoi. Et puis, une autre chose qui est très importante aussi, c'est défendre les ressources naturelles. Ne pas laisser le Chili vendre toutes ses ressources naturelles aux étrangers, aux entreprises étrangères, et pouvoir arriver à un équilibre de vie en accord avec la nature. Et ça, je pense qu'on en a beaucoup parlé dans le contexte du Covid, que tout est plus ou moins lié. Il y a un dérèglement général qui fait qu'on n'est même pas sûr de pouvoir assurer le bien-être de l'humanité face à tout ce pillage, ce saccage. Donc, il faut arriver à discuter et prendre des décisions là-dessus aussi, pour que, par exemple, au Chili, il y a des graves problèmes en relation avec l'eau. Il y a des villages entiers qui sont complètement secs. Les gens n'ont pas accès, même pas à un air sain pour respirer, quoi. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à discuter et à réécrire dans cette constitution. Le droit à l'avortement, qui n'est pas possible d'être appliqué en ce moment à cause de la constitution qui l'en empêche. Je pense que voilà, si on peut débloquer quelques possibilités et pouvoir avancer grâce à ça ensuite, on est clair que c'est juste une étape. Si dans la Constitution, on peut enlever toutes ces lois qui font que il est impossible d'avancer sur tel et tel et tel point, on va pouvoir ensuite peut-être créer des lois petit à petit autour de chaque thématique pour pouvoir libérer le peuple de l'oppression au final, parce que c'est ça, hein. Si on ne peut pas étudier, on ne peut pas avoir accès à la santé, on ne peut pas protéger notre environnement, enfin, c'est très difficile de vivre dans ces conditions-là. Donc, et puis il y a la Ouais. de la migration aussi, qui est peut-être plus récente au Chili, mais c'est vraiment grave, quoi. Il y a des gens qui vivent dans des conditions déplorables, qui sont complètement enchaînés à un système de travail. C'est de l'esclavagisme, quoi. Donc, là aussi, il faut pouvoir faire quelque chose pour assurer vraiment un équilibre de vie pour toutes les personnes qui sont présentes sur le territoire.
Bien sûr. Oui, je pensais, bien sûr, il faut tenir compte que les migrants ont eu la possibilité de voter, mais dans certaines conditions, c'est-à-dire après 5 ans de résidence, mais aussi, ils peuvent être élus en tant que membre de la commission constituante. Et après, je pense ce que tu dis, c'est très intéressant. C'était très paradoxal. C'était un paradoxe très intéressant aussi que l'un des rapports les plus forts des rapports internationaux sur les violations aux droits de l'homme émanait d'un groupe, d'une commission canadienne. Et dans ce texte, ils ont intégré la responsabilité du Canada au niveau de l'exploitation des ressources naturelles, surtout à cause de la minière. Et l'autre chose que je voulais dire à la fin, qu'il faut faire attention aux négociations, parce que par exemple, ce que tu viens de dire, les tribunaux constitutionnels, on sait aujourd'hui que c'était l'échange avec la droite pour accepter mettre fin aux sénateurs désignés. Et donc, même si aujourd'hui on dit que le tribunal constitutionnel a échappé à tous les pouvoirs, qu'il a un pouvoir des mêmes, je pense qu'il faut faire attention à ça, surtout pour pas répéter ce type d'histoire et arriver à une situation qui peut-être est encore pire que les sénateurs me filmaient. Non, en plus, on sent toujours un climat de violence, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de répression à chaque manifestation, chaque intervention. Il y a de la répression. Beaucoup de gens qui sont impliqués dans ces processus de mouvements sociaux qui reçoivent des menaces. Et il y a eu des cas d'assassinat très récents. Donc, on a quand même. Enfin, il faut pas rester dans la peur et que ces cas nous immobilisent, mais c'est vrai qu'on songe toujours à ce danger qui existe. Si on avance un peu trop, peut-être qu'il y a une force en face qui va être capable de mettre le frein aussi. Donc, c'est déjà arrivé, ça peut arriver de nouveau. Donc, voilà, il faut essayer de se défendre. C'est un peu délicat, hein, mais on croise les doigts. Ok, bon, merci beaucoup à toutes les deux, Bélène et Amandine. Je pense que, effectivement, en tout cas, de point de vue de France-Amérique latine, déjà la question de la lutte contre l'impunité, les prisonniers politiques, c'est vraiment une question pour nous qui est centrale. On sent une responsabilité aussi en termes de solidarité internationale sur ces questions-là. Il y a à Paris et dans d'autres régions aussi d'autres collectifs qu'on salue d'ailleurs sur de soutien aux prisonniers politiques qui se mobilisent un peu partout. Pour nous, c'est déjà une priorité. On va continuer à suivre de très près ce qui se passe au Chili, à rester en contact notamment avec le cordon de los siete cerros. Donc je rappelle hein, qu'il y a une campagne qui est toujours en cours de dons. Il y a déjà 1 500 euros qui ont été envoyés, si je ne me trompe pas. On espère en envoyer un peu plus. Allez voir donc sur le site de franceamériquelatine.org cette campagne en cours. Allez aussi voir le communiqué qu'on a fait récemment pour saluer cette victoire du peuple chilien, mais aussi rester attentif. On n'a pas non plus enfin, d'illusions sur. On sait que ça va être une trajectoire complexe qui s'ouvre, mais en tout cas. Tout à fait enthousiasmante pour commencer à enterrer cet héritage maudit néolibéral et autoritaire de Pinochet. Et pour nous, c'est vraiment important. Et puis pour finir, dire qu'il y aura d'autres conférences en ligne qui vont être organisées dans les prochains mois. Donc restez attentifs sur d'autres expériences, d'autres pays avec lesquels on est en contact. Je voulais aussi remercier Rachel et Anna, donc, qui depuis le siège de Paris nous ont accompagnés. C'est grâce à elles qu'on est en ligne, c'est grâce à elles qu'on a pu se parler. Donc, les remercier et vous souhaiter donc une bonne soirée, à très bientôt. On continue à être organisé, à se mobiliser et à être solidaire.